Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine, lundi 6 juin 2022, 17h36, 6 juin, 6 du 6, 17h36, il y a 3 6. Chers amis, heureux de vous retrouver sur YouTube, j'espère que vous allez bien, même si quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble de la photo, ça va mal. Mais rassurez-vous, ça va aller de plus en plus mal. Donc, pendant ce temps-là, on va aller faire un tour en Europe parce qu'on a, imaginez-vous, une alerte de tempête de poussière apocalyptique qui a frappé, je vous en ai parlé dans les dernières semaines, l'Irak en particulier, qui a été touché très durement, avec des milliers de personnes affectées, avec une tempête de poussière apocalyptique qui pourrait toucher l'Europe et frapper l'Europe ce mois-ci. On l'a vu dans les dernières 3 à 5 années, une tendance de ces tempêtes de poussière qui sont du Sahara, souvent qui est à l'origine du Sahara, se rendent en Europe. C'est nouveau parce que tout est déréglé. On est dans une transformation globale, on est dans un changement de cycle énorme. Et les changements climatiques, quand ceux-là s'opèrent, c'est gigantesque. On l'a vu, des changements climatiques, quand ça s'opère, parce que ça reste après, le modèle reste pour des milliers d'années, mais quand il se transforme, il amène un changement total. On n'a qu'à penser, justement, au désert du Sahara, l'Arabie Saoudite, qui, il y a 5, 6, 7 000 ans, était recouverte et avait beaucoup d'eau. Il y a eu des changements climatiques et il y a eu un changement spectaculaire qui a amené la désertification. Le désert est là, pas parce qu'il a arrêté de pleuvoir avant hier, le désert est là parce qu'il a arrêté de pleuvoir il y a longtemps. Puis on était dans ce modèle très stable pour des milliers d'années, sécheresse, puis occasionnel, mais le désert qui avance et qui avance. Depuis 3 à 5 ans, on a eu un changement notable où on a vu, dans ces parties du monde-là, des pluies abondantes, des inondations, de la grêle. Je vous en ai partagé plusieurs événements pour ceux qui s'en rappellent, ce qui a amené des fois une floraison incroyable qu'on pensait peut-être impossible. Donc, on le voit, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, qui sont, comme je vous le dis, quand ces changements-là s'opèrent, parce que c'est sur des grandes périodes de temps, on le voit dans la haute atmosphère, avec le dérèglement du courant jet, c'est complètement hallucinant, le jet stream est déréglé comme c'est pas possible. Il y a aussi des phénomènes climatiques récurrents, comme El Niño. Là, on est dans un El Niño qui va amener des tempêtes très puissantes sur la côte des États-Unis, près de la Floride, le golfe du Mexique, parce que c'est un réchauffement, étonnamment, du Pacifique qui va nous amener aussi, nous, des températures plus froides dans nos pays plus lointains. Changement climatique, tu ne peux pas les nier, ils sont là. Il y a peut-être une implication de l'activité humaine, mais j'ai remarqué une chose aussi, parce que je suis souvent à l'extérieur à jogger, à faire du vélo, beaucoup de vent, et le vent ne cesse jamais. C'est très rare qu'il y ait une journée sans vent depuis 3-5 ans, et peu importe la direction dans laquelle je m'en vais, si je pars pour faire mon jogging ou mon vélo, disons vers l'est-ouest, ou vers l'ouest ou l'est, ou le nord-est ou le sud-ouest, quand j'ai le vent dans le visage, puis quand je reviens, je l'ai aussi dans le visage, c'est comme vraiment très bizarre. Mais on voit, il y a des changements. En Europe, vous avez des tempêtes majeures. Depuis 3 à 5 ans, vous avez des ouragans, des inondations, mais vraiment massives. On voit de la neige à des endroits où il ne devrait pas en avoir. Aux endroits où il devrait en avoir, il y en a beaucoup. Donc, on est dans une position très délicate parce que, non seulement ça, ces changements climatiques transforment nos vies, transforment l'agriculture, mais on a aussi des changements politiques énormes qui viennent bouleverser nos vies. Vous le voyez, c'est pas pour non plus
pas pour vous décevoir, mais les changements politiques qui s'opèrent en ce moment depuis une dizaine d'années, là, c'est pas rassurant. On s'en va vers un globalisme, un mondialisme gigantesque. Tout ça contrôlé par une poignée d'individus, vraiment une poignée, pour ne pas les nommer, deux familles extrêmes, à l'extrême sommet de la pyramide. Tu as les grands fonds d'investissement, il y en a deux, qui possèdent tous les autres milliers de fonds d'investissement, parce que ces gens-là ont investi dans tout pour le posséder. Et ils s'investissent un dans l'autre aussi, là. C'est pas des ennemis, vous l'aurez compris. Famille Rothschild et Rockefeller, deux fonds d'investissement qui contrôlent tout ce que vous utilisez dans votre vie, des céréales préférées du matin, au lit dans lequel vous dormez, le matelas dans lequel vous dormez, puis tout ce qui se passe entre les deux, vêtements, voitures, essence, voyages, restaurants, tout ce que vous pouvez imaginer, tout est contrôlé, possédé par deux grandes firmes d'investissement qui possèdent tout le reste, comme je vous dis, Vanguard et BlackRock. J'ai d'ailleurs parlé de ça sur sur mon autre chaîne. Vous pourrez aller voir les vidéos sur ce sujet-là. Tout est sur Google. Tu peux faire toutes les recherches facilement. Il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. C'est comme ça. On est un peu comme aujourd'hui, je faisais du jogging. Je fais une petite confidence. On est un peu comme leur troupeau. Comprenez-vous? On est là, puis on nous considère, puis on le dit ouvertement, considéré que comme des consommateurs. On n'a aucune envie d'améliorer le sort de qui que ce soit. Ça, c'est important de comprendre ça. Il y a des gens qui pensent encore qu'il y a des cravatologues, des technocrates de l'Union européenne, de la Commission européenne, ou des politiciens, des premiers ministres, des présidents, ou ces gens-là qui vous font des leçons de moralité à longueur de journée sur comment vous devriez être, comment c'est immoral d'être nationaliste, comment c'est immoral d'être ceci ou cela. Votre bien-être, puis le bien-être de l'humanité, ils n'en ont pas vraiment quelque chose à foutre. Eux autres, ils pensent à eux. Ils vivent comme des pachas, des rois. Eux autres, ils se promènent en jet privé. Ils ont des centaines de maisons partout qui consomment beaucoup d'énergie. Ils ont des centaines de voitures chacun. Une pour chaque heure de la journée, j'imagine. Mais on fait des leçons de moralité à vous. Parce qu'on est le troupeau de moutons, on leur appartient. D'ailleurs, si tu regardes toutes les structures de tous les pays, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire de ta volonté. Tout est encadré, judiciairement, civilement et moralement. Puis il ne faut pas que tu dépasses quelques limitations qu'on t'a mises. Sinon, tu vas payer le gros prix. Toi, tu es là pour être à leur service, pas pour le bien de l'humanité. Les pays en voie de développement, les pays émergents, comme on les appelle, ça fait longtemps qu'ils sont émergents, puis ils vont rester émergents pendant longtemps. Parce qu'on n'en a rien à cirer, vraiment, au niveau de la haute direction de cette planète. Ils possèdent tout, mais ils veulent te faire des leçons de moralité, mais ils ne veulent rien faire pour vraiment améliorer le sort. Parce que c'est trop bénin, tu sais, de vouloir améliorer le sort de tes frères et de tes sœurs, de t'occuper des enfants malades, pauvres dans le monde entier, alors qu'on pourrait nourrir plein de gens, plus de gens qu'on en a maintenant avec toute l'abondance qu'on a, les ressources qu'on a, les techniques qu'on a pour transporter tout. Tout le monde pourrait avoir un toit. Là, on dit que tu as des droits. Ben, le droit le plus strict, ce serait que tu aies un toit. Si tu veux me contrôler, si tu veux me réglementer, si tu veux gérer ma vie, ben, il faut que tu me prennes en charge jusqu'au bout. On vous a fait à croire que l'esclavage avait été aboli. Il n'a pas été aboli. C'est juste qu'on l'a étendu à tout le monde pour que tu penses qu'il n'y en ait plus, parce que tout le monde est esclave. De ces groupes-là, de ces deux groupes-là, ou cette poignée de familles qui contrôlent tout le reste et qui continuent à s'enrichir, comme l'Église catholique s'est enrichie, continue à s'enrichir depuis 2000 ans, pas fait grand-chose pour l'humanité non plus, hein, à part s'enrichir puis vivre dans sa richesse, puis donner des belles paroles. Toujours de « Oh mon Dieu, on condamne ceci, oh mon Dieu, il faudrait arrêter cela. » Mais on continue à encaisser l'argent, on continue à pas payer de taxes, puis supporter tous ces dirigeants-là qui sont là. Comprends-tu? Sans dénigrer ceux de mes abonnés qui ont des foi puis des croyances, là. On fait juste analyser ça d'un point de vue d'observation et philosophique, tu sais, si tu veux.
Donc, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui changera jamais. On est à leur service. Ça, c'est important de se rendre compte de ça. Maintenant, tu es là comme dans un, hein, la possession de ces gens-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une vie épanouie et heureuse. Si tu es conscient de ça, tu peux être conscient de bien des choses aussi. Puis tu peux, malgré tout, parce que toutes les autres qui sont passées avant nous, il y en a eu beaucoup. Il y en a plusieurs qui ont été heureux, prospères, puis qui ont eu des vies épanouies quand même. Mais c'est important de comprendre que ceux qui te font la leçon de moralité, ceux qui te gouvernent, c'est tous des hypocrites. Puis ils ne sont pas là pour toi. D'ailleurs, c'est même Jésus qui les a tous traités d'hypocrites à l'époque. Donc, maintenant, si je reviens à nos moutons, changements climatiques qui vont nous affecter tous, eux autres, ils vivent dans la richesse. Une pandémie, une crise économique, une dépression, les riches ne sont jamais affectés. Au contraire, ils s'enrichissent pendant cette période-là. Donc, c'est nous qui souffrons toujours. C'est nous qui galérons toujours, comme diraient nos cousins français. Une tempête de poussière nous rapporte Uniland.com. Apocalyptique pourrait frapper l'Europe ce mois-ci. Hein, on le sait, une tempête de poussière apocalyptique qui a tué 4 personnes et hospitalisé des milliers de personnes pourrait frapper l'Europe dès le mois prochain. Imaginez-vous, dès le mois prochain. Ce mois-ci plutôt, ce mois-ci. Donc, on l'a vu, c'est pas la première, c'est de plus en plus, et ça, ça vient avec la déstabilisation de la haute atmosphère et du courant jet, ça vient remettre tout en question, naturellement, ça va compliquer la vie de beaucoup, beaucoup de monde. Et je vous dirais que, encore là, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Même si tu t'arraches les cheveux de la tête, même si tu transformais tout de ton économie, les changements climatiques, c'est immense, c'est gros. Quand ça s'opère, ben ça s'installe et pour très longtemps. Je vais essayer de retraduire. J'ai un petit problème ici de... Je pense que mon Internet... Laissez-moi un instant, je reviens. Donc, un certain nombre de pays du Moyen-Orient ont souffert de conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique, entraînant un ciel orange et chargé de poussière. À la mi-mai, une tempête de sable a couvert des régions en Irak, en Syrie et en Iran, et maintenant les hôpitaux sont envahis par des patients souffrant de difficultés respiratoires. Les ministères irakiens de la Santé et de l'Électricité ont annoncé l'état d'urgence en raison des graves nuages de poussière qui frappent le pays. Et c'est pas fini, là. Les vols à l'aéroport de Bagdad ont également été suspendus, tandis que les autorités irakiennes ont ordonné la fermeture des bureaux gouvernementaux dans plusieurs régions, et au moins 4 personnes seraient mortes en Irak et en Syrie à cause de la brume granuleuse dans l'atmosphère. Diverses régions du Moyen-Orient connaissent des conditions météorologiques extrêmes depuis mars, entraînées par de graves sécheresses, la hausse des températures et la baisse des précipitations dues au réchauffement climatique. S'adressant au Guardian, Nassim Hassan Hamzé, chercheur sur la poussière chez Fan Gostar Air and Climate, une société de conseil sur le climat en Iran, a déclaré « La fréquence croissante des tempêtes de poussière signifie plus de problèmes, plus de pertes de vie et de biens et plus de destruction. » Wow! Vraiment, toute une histoire cette année, ces tempêtes de sable. Les tempêtes de sable n'affectent pas seulement un pays ou un endroit spécifique dans le monde et peuvent avoir des conséquences considérables à l'échelle mondiale. Et la situation ne fait que s'aggraver à mesure que le changement climatique se poursuit, comme l'a averti Mohamed Mahmoud, directeur du programme à l'Institut du Moyen-Orient. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, chers amis. Et j'aurai quelque chose d'autre à vous partager aussi sur le climat. Et c'est une étude qui nous vient de Science. C'est une étude qui a été publiée il y a quelque temps déjà, le 15 mars 2020, de Science Post, qui nous dit qu'une étude déroutante impliquant le soleil comme cause du réchauffement climatique vient d'être rétractée à l'époque. C'est très, très questionnable. Enfin, je vous reviens avec cette histoire-là, mais je vous laisse le lien de cette tempête de sable apocalyptique qui devrait toucher l'Europe ce mois-ci. Chers amis, préparez-vous, le pire est à venir.